Moi j'arrive à 5 piges du coup à Tarteret. Voilà, je suis en maternelle, je suis en école primaire, collège, lycée, après j'ai tout fait ici. Donc ouais, hein, je suis arrivé assez jeune. Mon quartier, je l'ai vu évoluer. C'est comme tous les quartiers, c'est un peu difficile. Hein. Il y a des moments de bonheur, des moments tragiques. Donc je l'ai vu évoluer. Ouais, on va dire ça. Je sais pas si on peut dire évoluer. En fait, c'est évoluer au niveau, on va dire au niveau musical, on va dire. On va dire la vérité au niveau musical. Puisque voilà, on s'attendait à rien dans le quartier, on pensait jamais que quelqu'un de notre quartier allait percer un jour. Donc vraiment, la musique, ça a calmé beaucoup de gens. Ça a calmé beaucoup de gens. Voilà, ça a permis à d'autres personnes voilà, de se dire que il n'y a pas, voilà, y a pas que le sport, ou il n'y a pas que braquer, ou il n'y a pas que. Voilà, il n'y a pas que ça à faire. Il y a peut-être un truc à faire dans la musique, il y a peut-être une autre branche à tester. Donc ouais, c'est vraiment ça. C'était ça plutôt l'évolution. Quand tu dis ouais, pour nous personne n'allait percer, ouais. Pourquoi tu pars déjà dans la en mode destin, défaite? Pourquoi t'étais déjà... Parce qu'on est au fin fond du 91. Voilà. Les jeunes ne les apprécient pas particulièrement. Parce que voilà, on a un quartier assez violent. Et voilà, on ne fait pas trop d'amis. Donc voilà, les gens ne les appréciaient pas trop. Hein. Voilà, quand il y avait un truc, ben, les mecs des Tarterets n'étaient pas spécialement invités. Donc ouais, on était dans notre coin. Et le 91, ça jamais, ça avait... Ça marchait pas dans la musique, le 91. Ça marchait pas. Donc on pouvait pas se dire qu'un jour, voilà, des gens de quartier allaient percer. Donc c'est pour ça, sur ça, on était un peu... on était un peu en retrait, quoi. On s'avançait pas trop sur ça. Bah, le quartier, c'était très 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 calme. C'était dans les années jusqu'en 90. Et c'est après 90 où ça a commencé un peu à dégénérer par rapport à... Comment vous expliquer exactement? Pour vous dire que les autorités nous ont oubliés. De 90... 12 jusqu'à que la police est venue dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait pas de police et on était oubliés. C'est comme si on était dans un ghetto en train de vivre les uns sur les autres. Mais avant toutes ces années-là, c'était bien. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on nous oublie ici dans les quartiers. Tu veux dire qu'à partir de 90, il y avait plus de policiers qui venaient dans le quartier? À un moment, pendant au moins une dizaine d'années, facile. Le laisser aller, le déclin peut-être de la société, des politiques, j'en sais rien moi pourquoi. Demain ils gazent une maman et après-demain qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pétard et ils nous tirent dessus. Moi je vois ça comme ça. Il n'y a plus de dialogue. Le dialogue entre moi et la police, ou toi et la police, ou ceci, cela. Non, ils s'arrêtent. Ouais. Attends, je vais te raconter un truc. Pourquoi les jeunes ils ont la haine? Les jeunes, ils sont posés, par exemple, un groupe de 4-5 en train de jouer aux cartes, en train de s'amuser à une partie d'échecs, par exemple. La police passe, ils se font contrôler une fois. Eux, ils ont que ça à faire. Ils passent 15 000 fois. Mais tu sais, la police, depuis quand on l'a ici? C'est plus depuis un chien qui s'appelle Valls. Il était ici au Tarteret, hein, il s'est fait ratatiner avec des œufs. Il a dit, moi, si je monte là-haut, vous allez voir, je vais vous faire la misère, les Tarterets. C'est exactement la même chose. Et même les Karchers, comme il dit, Sarkozy, il marche comme un cow-boy. Qu'est-ce qu'il connaît des cités, lui? Il habite à Neuilly-sur-Seine. Il bouffe du foie gras, mon frère, sur les côtelettes des Français. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la cité? Nous, on est des enfants de la cité, on connaît la cité. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre heureux, vivre humblement, vivre nos mamans qui marchent tranquillement. Pourquoi on se fait gazer? On est des chiens? On est des bœufs? Oh! L'esclavage, c'était avant. Hein. Aujourd'hui, c'était 5 jours d'émeute. Mais demain, qu'est-ce que ça va être s'ils continuent à faire ça? Ils cherchent quoi? Et tu sais ce qui m'a plu, moi, cette fois-ci? C'est qu'il n'y a pas une seule voiture qui a été brûlée. Ok. Parce qu'à une époque, c'était vraiment... Catastrophe. Ouais. Pour rien, on avait brûlé les voitures et tout ça. Mais nous, on a expliqué aux petits, les voitures là, que vous avez ici, c'est les voitures de vos parents.
de vos amis, de vos voisins. Et il ne faut pas. Et surtout, petit, il ne faut jamais mélanger la religion avec ce qui se passe dans la rue. Et ça, ils le savent. Mais nous, on demande quoi? On demande un peu de respect. Qu'on soit un peu respecté. Franchement, les Tarterets, ça fait depuis 40 ans que ça craque. Depuis 40-30 ans que ça craque. Hein. Après, voilà, les gens, ils veulent rien faire. Ils veulent rien faire pour des petits jeunes. Moi aussi, quand j'étais jeune, il n'y avait rien pour nous. Pas de travail, pas d'école, rien. On ne calculait pas. On nous laissait comme ça, quoi. Et pas grand-chose. Donc ouais, ça fait longtemps que ça craque, les Tarterets, et que bah, tu connais, ils font semblant de rien voir. Ils veulent pas aider, ils veulent pas faire le nécessaire. Et voilà, ils croient qu'il suffit d'envoyer la police pour que tout se règle. Mais c'est pas comme ça. C'est un vrai travail qu'il faut faire. Ça fait très longtemps que les gens ils tirent la sonnette, ça fait très longtemps. Et en vrai ils s'en foutent. Hein. En vrai, ils s'en foutent. En vrai, tant que c'est dans le quartier, tant que tu fous ta merde dans le quartier, en vrai, ils te calculent pas. Hein. Voilà, tant que tu restes dans ton quartier, t'es avec. Voilà. Tant que ça dépasse pas ailleurs, et ben tu vois, ça les dérange pas. Donc on peut s'entretuer entre nous, on peut tout faire entre nous. Ouais, ils s'en foutent, hein. Ils feront jamais rien pour nous. Mais déjà une interpellation. Deux policiers pour interpeller un petit jeune homme, ça suffit largement. Ils étaient 5 sur lui. Pour quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit, pour n'importe quelle interpellation, pour quoi que ce soit. Le petit jeune, il met pas d'opposition, il est pas violent. Vous le mettez par terre, vous êtes 5 sur lui, vous l'étranglez, vous le frappez. On a vu tellement de vidéos que ça part au quart de tour. Moi, je serais là, j'aurais vu le petit se faire interpeller, j'en mets une patate au keuf. J'en mets une patate au policier, vous êtes en train de frapper le petit frère comme ça à 5, vous l'étranglez. Moi, j'ai vu assez de trucs. Tu vois, ça, je peux pas voir. La vérité, j'aurais vu ça de mes yeux, j'aurais frappé le policier. Et je le dis, je l'ai déjà fait et je n'hésiterai pas à recommencer. Donc voilà, maintenant, ils étranglent le petit par terre. Il le frappe sans aucune raison, alors que le petit il se laisse faire. Sa mère, elle est choquée. Sa mère, comme toutes les mères, elle descend pour voir ce qui se passe. C'était bien sa mère, parce que les gens qui disent non, c'est pas sa maman. Ah non, c'était sa mère. Okay. Et même que ce soit une maman comme ça, c'est la mère de tout le monde. C'est la mère de tout le monde. C'est comme si elle voyait son fils, pareil. Mais voilà, en fait, elle a vu son fils, voilà la chair de son sang. Elle a vu par terre se faire étrangler par des policiers. C'est même pas des hommes. Parce qu'il y a des hommes et il n'y a pas des hommes. Mais la plupart des voilà, qui font ça, c'est pas des hommes pour moi. Donc voilà, la mère, elle a réagi. Elle est venue une maman, quoi. Hein. Une maman sans force. Sans force que tu attrapes à une main, tu la mets de côté. Tu vois, tu peux lui expliquer les choses calmement. Elle a même pas fait 3 pas pour aller voir ce qui se passait. Le policier l'a sorti à sa gazeuse, il a gazé. Vengez-vous. Moi, ça aurait pu arriver à ma mère. Et il est hors de question. Vengez-vous, parce que la justice, elle fera rien. La justice, la police, elle fera rien du tout. Donc maintenant, nous, on peut réagir que comme ça. On peut réagir que la violence, on répond par la violence. C'est arrivé à un niveau où... C'est triste à dire, mais c'est triste. Hein. Parce que moi, tu me vois aller expliquer aux petits et aux frères du petit, sa mère, elle s'est fait gazer. Tu me vois aller leur dire, non, les gars, arrêtez. Non, c'est pas bien, il faut aller porter plainte. Ah non, pas du tout. Si vous tuez des petits jeunes, vous les coursez à la mort, ils ont rien volé, ils ont rien fait, vous... je sais pas pourquoi vous... Voilà, donc faut arrêter. Vous tuez des petits jeunes, vous écrasez des jeunes en moto, vous les étranglez... Et le rap, il a quoi à voir dedans? C'est le rap qui a dit aux policiers de venir tuer les jeunes. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, non, ces députés-là, c'est des gens qui veulent fausser le débat. Ils veulent voilà, ils veulent tout mélanger. Et voilà, les gens intelligents, ils comprendront de toute façon. Il s'est passé tellement de choses que... Ah, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché, hein. Ouais, même des fois, ils nous appelaient par nos prénoms, tout ça. Bah, c'était tout le temps au quartier, quoi. Ils marchaient, hein, une vraie police de proximité. Mais bon, ça n'a pas marché parce que, tu vois, ça, c'est, il faut un vrai travail, tu peux pas du jour au lendemain, je sais pas si c'est le préfet de police qui dit ça ou je sais pas ce qu'est le député, il se réveille le lendemain, il dit quoi, ouais, faut mettre une police de proximité dans les quartiers. Mais il faut faire un vrai travail, tu peux pas du jour au lendemain dire à la police de venir faire les gentils avec les... alors que ça, c'est toujours, il y a toujours eu, tu vois, la braise entre les deux.
Voilà. Parlons du loup. Il vient de monter là. Non, j'avoue, dans le coin. T'as beau être le mec le plus pacifique du monde, hein. Ils font tout pour t'énerver. Okay. Ils te mettent des doigts dans le cul. Ils tirent les couilles, ils tirent ta bite. Quand tu dis dans le cul, ça, c'est un truc que t'as déjà vécu. Ah, j'ai déjà vécu. Des policiers qui. Ouais. Ils t'es en train de te contrôler, ils te frottent là, un truc comme ça. Ils te mettent les mains dans les boules, tout ça. Ah, des trucs de fou, hein. Quand tu vas te révolter, ah, oh, il essaie de se révolter. Tu vois. C'est passé quand ça, quand tu dis. Bon, franchement, quand j'étais un peu plus jeune et. C'est un truc qui marque. C'est quelque chose, hein. On nous fait des choses que hein, jamais on n'aurait pu faire ça. Comment tu dis, toi, un coup de karcher? Là, on est sale, nous? Si on est plus propre que toi, Zébé. Tais-toi, va voir ta femme, il y en a 40 000 qui sont passés sur ta femme. Qu'est-ce que tu parles avec nous? Qu'est-ce que tu parles avec des gens avec un cerveau incivilisé? Tu crois que c'est l'argent? Mais on n'a pas besoin d'argent, Zébé. On va rien emmener avec nous. Tu parlais avec les jeunes qui essayaient de comprendre un petit peu leur état d'esprit. Tu leur disais, les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Ils te répondent, ils veulent nous tuer. Et c'est là où ça a commencé à enflammer bien comme il faut, à partir de ces gens-là. Et je crois même hein, que toutes les cités et toute la France a bien cramé. C'est par rapport, tu sais quoi, avant, que Dieu ait son âme pour les deux petits là qui sont morts. Après, ils ont gazé, mais tu sais, le mot qui est resté dans toute la France, c'est... Et les Français ont suivi ce mot-là aussi. Et je me répète, karcher, hein, vous allez donner un coup de karcher? Karcher à qui? Karcher sur quoi? C'est ça que j'ai pas compris ce mot-là. Il va nettoyer quoi? Il va nettoyer les voyous, il va nettoyer les drogués, il va nettoyer les papas, il va nettoyer les mamans, il va nettoyer les enfants, il va nettoyer quoi? C'est pour ça, moi, que ce mec-là, c'est quand il m'a dit ça, j'ai dit, lui, Sarko, tu jettes ça à la poésie. Mais attention, jeune homme, là, il y en a un autre là qui vient, là, c'est pire, hein. T'arrives à comprendre que les jeunes de ta cité prennent autant de risques pour deux jeunes qui sont pas de leur quartier? C'est un truc de malade. Pourquoi ils ont pris autant de risques pour ces dévoués-là qui ne sont pas justement d'ici? C'est pour l'avenir. Pour l'avenir. Pour dire, voilà, Mouna, ils sont plus là. Ils sont dans le 93 ou 94. On les connaît même pas. Mais demain, ils vont nous faire ça ici. Et combien de courses-poursuites? Et combien de motos, la BAC, là, il a fait tomber des motos ici? Comment vous explique la haine? Eh, mais je vais vous dire un truc. Hein. Eh, même s'ils ramènent n'importe quoi, la haine, elle est posée en eux. Regardez à Marseille, jeune homme. Un petit dealer avec 5-6 barrettes. 5-6 barrettes. Ils sont venus à 3-4. Le mec, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa main, mais il a éclaté le flic. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas dit, ouais, éclater un flic, je peux prendre 15 ans de prison, 20 ans de prison. À Grigny, les 4 flics ou les 3 flics qui étaient dans la voiture, ils ont balancé un cocktail Molotov, des flics en train de cramer à l'intérieur. Ils n'ont pas réfléchi. Qu'est-ce que vous en désusez, vous? Moi, je pense que la haine, elle s'est bien imposée. La haine est le fond. Regardez, les flics, à peine ils rentrent dans la cité, d'en haut, là, je vous ai dit, on est en plein milieu. On entend, il y a les rats. Maintenant, c'est alerté. Et un jour, ça, je ne le souhaite pas, tellement qu'ils vont avoir une haine. Mais imaginez-vous, là, il fait chaud, les vitres ouvertes, un cocktail qui tombe dans la voiture des rats. Ça ne va pas engendrer encore plus de problèmes. Moi, je vous ai expliqué, jeune homme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver le dialogue. Il faut dialoguer. Hier, j'ai entendu, par rapport à Dassault, hier sur BFM, hein, ils ont investi pour l'amélioration du quartier. Écoute bien le chiffre, hein, le départemental, la préfecture et tout le bordel. 135 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 135 millions d'euros? Ils ont fait un parc. Ils ont détruit que des bâtiments. Qu'est-ce qu'ils ont fait, jeune homme? Pourquoi là tout ça, là, la nouvelle cité, là, vous avez vu la nouvelle cité qui est en train de se construire? C'est pas eux qui ont investi, c'est des promoteurs, ça s'appelle Next City. Le mec, il construit, il vend, il gagne son argent. Ça n'a rien à voir. Ils sont où les 135 millions d'euros? Ça, c'est le système à Dassault. Hein. Mais il faut
savoir que quand je vis des trucs comme ça, moi-même j'en ai vécu. J'ai vécu des bavures entre guillemets. C'est difficile de se défendre. Tu vois, c'est difficile de se défendre, c'est difficile de se faire entendre. Donc c'est pour ça que les gens ils réagissent un peu comme ça. J'ai eu un policier qui a eu des propos racistes avec moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a même menacé. C'était quoi les propos? Il m'a dit. En fait, il m'a contrôlé. Il m'a contrôlé tout ça avec le petit frère de ce mec. Donc ils m'ont contrôlé tout ça. Il a jeté nos affaires par terre. Après, il nous a dit qu'on est bon qu'à ramasser. J'ai demandé en gros pourquoi tu jettes mes affaires par terre au lieu de les poser parce qu'il y avait un truc pour les poser quoi. Il m'a dit qu'on était bon qu'à ramasser. Donc, il a jeté mes trucs par terre, ça s'est un peu embrouillé. Il a dit qu'il allait m'enculer. Des trucs comme ça. Il m'a mis au moins 500 euros, 600 euros d'amende. Moi, j'ai voulu aller porter plainte. Je suis parti au commissariat de Corbeil. Ils ont commencé à m'écouter, tout ça. Quand j'ai fini de raconter mon histoire, ils m'ont dit que j'avais ma pièce d'identité. J'ai dit que non, ils m'ont pas pris ma plainte. Pas porté plainte. Après, j'avoue que je suis pas allé au fond du truc, je suis pas revenu. Mais ça m'a dégoûté. Malheureusement, ça fait que les gens sombrent dans d'autres choses, dans d'autres conneries. On a grandi dans les quartiers, on sait que l'ennui. L'ennui, ça. Ça te ramène des problèmes, j'ai envie de dire. Parce que t'as besoin de gens qui te mettent en confiance, t'as besoin de gens qui te valorisent, t'as besoin de gens qui t'accompagnent. Et après, faut pas oublier quand les jeunes sont dans les quartiers, c'est des gamins de 15, 16, 17 ans. Ça reste des enfants. Quoi. C'est des pré-adultes. Donc des fois, on veut les traiter comme des adultes, alors que c'est des enfants. Et ça va remettre un peu tout le monde à sa place et trouver le bon son de cloche pour chacun. À notre âge, si tu veux, il y avait les missions locales, il y avait plein d'offres, tu sais, plein de droits communs, mais comme les structures, elles venaient pas vers nous, nous, on n'était pas au courant de ce qui se passait ou ce qui existait, donc on a très peu bénéficié de ce qu'il y avait. C'est-à-dire des formations, des permis de conduire et tout, à l'époque, pour être au courant de ça, il fallait que y ait un copain à toi qui soit en mission locale qui dise, voilà, j'ai bénéficié de ça. Sauf qu'aujourd'hui, les temps, ils ont changé, comme je t'ai dit, les générations, elles ont changé. Et si tu vas pas vers les jeunes, à un moment donné, tu peux rester des années dans ton bureau, tu trouveras jamais la solution. De toute façon, la rue existera tout le temps. Le shit, ça existera tout le temps. Mais je demande ça, et surtout, avec tous les quartiers de Corbeil-Essonne, on devient comme des frères et sœurs. Comme je vous ai dit, mon conseil, la Nacelle, Tarteret, c'est la même. Demain, moi, je pars à mon conseil. J'ai été à mon conseil il y a 3 jours. Peut-être que j'ai un certain âge. Mais aujourd'hui, vous trouvez ça normal? Un petit de mon conseil, il ne peut pas venir ici. C'est pas normal. Et c'est ça que je voudrais. Qu'on se réunisse tous en bien. Et puis, que tout le monde soit heureux. C'est ça que je demande dans le quartier. Qu'on trouve une solution pour ces jeunes et qu'il faut les aider. C'est tout, c'est tout. Ravi de vous avoir connu, jeune homme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et j'espère que tout le monde va voir mon petit message. Et puis, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.